Hello everyone and welcome to my channel. Today I have some good news for you. Finally, after 6 months, the verdict is out. Burkina Faso's ex-president Kampore is finally convicted for the assassination of Thomas Sankara. The assassination happened in 1987, so it's been more than 30 years now. But finally, the man is convicted. And the conviction was life imprisonment, and Kampore came to power after the assassination of Thomas Sankara. 13 other people were also tried in the same trial, and 2 other people also got life sentences. Now, unfortunately, Kampore wasn't arrested because he's not in Burkina Faso. He's actually in Ivory Coast. He fled there in 2014. Now, he has a citizenship there, but I hope that Ivory Coast will hand him over, and I hope that he will be punished. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiant, d'assister, nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Ne consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent, mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez, les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Nous souhaitons que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous dont j'ai besoin. Et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran.